Ouais, je préfère que tu tiennes, sinon ça fait du bruit. Bonjour, bonjour, bonjour mes gens, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? J'ai bien dormi. J'accompagne mon bouchou à l'école. J'accompagne mon bouchou à l'école. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est comment, non? Un peu frais ce matin. Il fait un peu frais ce matin. Ça caille ce matin, ça va mes gens. Ça caille, hein. Je n'ai même pas fermé la bouche de Nicolas. Ça caille ce matin, vraiment. Il faut s'habiller chaudement, hein. Souvent ça conduit comme si c'était la guerre. Comme si la personne attendait que ça pour sortir. C'est comment non? Bonjour mes gens. Quoi? Tu veux que je te laisse ici? Mais non, tu fais ce que tu veux, moi. Hein? Tu fais ce que tu veux. Comment ça, je fais ce que je veux? Tu me dis? Mais va te laisser là-bas, non? Ou bien je te fais traverser. Hein? Hein? Je traverse tout seul. Tu traverses tout seul? Allez, vas-y alors. Je te vois partir. Bonjour. Je te vois partir, mon cœur. T'arrives là-bas, tu me fais coucou, hein? Nicolas Veillard, qu'il est déjà... Il est à grand. Bientôt ça va, est-ce que ne m'accompagne plus devant la porte, maman. Je veux partir tout seul comme un grand. Je pars. Il est parti même pas coucou, oui. Bon. C'est comment non mes gens? Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Vous dites que je suis ma hypocrite, non? Je suis ma hypocrite. J'accepte
mon nom d'hypocrite. C'est souvent comme ça que c'est. Je vais encore sortir. Et très bientôt. Je vais encore sortir. J'ai un message ce matin. Parce que vous pensez maîtriser les esprits, la moralité des gens et tout ça là. Moi, je ne suis pas de celle-là. Vous n'allez jamais savoir comment je suis. Quand vous croyez que vous me maîtrisez déjà, c'est là où, bim, autre chose sort encore. Mais vous avez vite fait d'avoir... les préjugés sur les gens. Et j'aime ça. J'aime quand on a des préjugés sur moi. On ne me maîtrise pas. Je vais encore sortir. Ça, je vous le dis. Parce que quand je sors, comme on a l'habitude de m'appeler hypocrite, quand je sors, je fais bim. Et puis je ressors. J'ai fait un choix. Le choix que j'ai eu à faire, c'est de ne pas clasher. Attention. Bonjour ma chérie, excuse-moi. Le clash n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ça veut dire que c'est ici sur la toile. Alors j'ai fait un choix. Le choix de me mettre à l'écart de tout ça. Le choix d'éviter certaines choses. Parce que je préserve ma petite famille. Oui. Parce que quand tu préserves ta petite famille, tu as tous les coups. Tu supportes tout. Tu acceptes tout. Mais pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est quand tu n'en as pas rien à foutre que tu peux te permettre. Alors, si j'ai fait ce choix-là, ça ne veut pas dire que des fois, quand je vois comment on m'attaque, quand je vois comment ça répond, quand je vois comment ça parle, en veux-tu, en voilà, on n'a pas les mêmes vies. Je suis désolée. Je suis quelqu'un de très courtois. Je suis quelqu'un de très généreux. Je suis quelqu'un de sociable. Il ne faut pas confondre tout ça. Donc, le message que j'envoie ce matin, quand je vais encore sortir, bim, et là, ça va faire très mal, je vous le dis au départ. Parce que quand je sors, oh, hypocrite, machin, oh, ça clash déjà. Ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. Parce que quand vous le faites, vous ne lésignez pas dans les moyens. Vous tirez à barre réelle, il n'y a pas de souci. Inventez comme toujours, ce n'est pas grave. J'accepte toujours, bois tout. Mais je vous dis, pour le choix que j'ai eu à faire, c'est ça qui me retient encore. Mais quand je vais sortir, ça va être une sortie qui va faire très mal. Et moi, quand je sors toujours, ça garde, il y a toujours des séquelles. Ça fait toujours mal. Je reviens pour dire que, attention, vous voilà. Vous voilà. Yormé et cuit. Ça va faire très mal. Et on attend toujours que ce soit ma sortie. Hein? On attend toujours ma sortie. Parce que tout le monde a beau parler, on ne voit pas. Mais dès que je vais venir ouvrir ma bouche, et là, je serai préparé. Je serai vraiment préparé. Comme vous attendez ça, on va bien se faire ça ici en 2023. Je vous préviens. Là, je suis venu prévenir. Parce que d'habitude, je sors souvent, je ne dis pas. Hmm? Je sors souvent, je ne dis pas. L'hécatombe est sur la toile. Quand tu vas au Cameroun, tu n'as pas le temps. Quand tu vas au Cameroun, tu n'as pas le temps. Parce que tu as tellement de choses à faire. Si c'était que j'étais ici, là, rien ne me dépasse. Personne n'a peur de personne sur la toile. Donc quand tu as des choses à dire, c'est sur la toile qu'on vient parler. Hein? Personne n'a peur de personne. Il faut savoir ça. Il faut savoir respecter les choix de tout un chacun. Et si je reste toujours tranquille, hein, on me traite de tout, d'hypocrite. Alors que tu viens parler. Moi, j'ai encore des principes que je respecte. Et je veux rester sur ces principes-là. Mais je sens que ça bouillonne. Et quand ça bouillonne, très mal parlé. Très mal même. Parce que je suis comme ça. Je vais sortir un côté que vous n'avez jamais vu que j'ai eu à sortir. Parce que je garde beaucoup sur moi. Je suis quelqu'un de pacifique. Je suis quelqu'un de compréhensif. Je sais faire le discernement. Hmm? Je sais faire le discernement. Donc quand je vais sortir, je serai préparé. Et je vous dis que c'est très bientôt que ça va se faire. Très bientôt que ça va se faire.
Parce que quand tu as quelqu'un de tempérament calme, la personne croit te maîtriser. Elle se dit que, oh, je peux m'asseoir sur elle quand je veux, comme je veux. La bouche que tu as, c'est la même bouche que j'ai. Les intentions que tu peux avoir, que toi tu vas sortir maintenant, je peux avoir les mêmes intentions, mais je les sors plus tard. Et peut-être même pire. Donc je suis venu avertir que je vais sortir. Je vais sortir. Et là, ça va faire bim. Ça va faire bim. À bon entendeur, salut. Parce que quand on parle sur moi, c'est là où je me sens souvent mal. Hein? Quand on parle sur moi, c'est là où je me sens souvent mal. Voilà. Merci beaucoup, c'est venu la tique. Mais je ne vais pas céder à ces tentations-là. Parce qu'il y a des tentations des fois que toi-même tu vois comme ça. Parce que ici sur la toile, beaucoup de gens souffrent de cette solitude. Alors leur seul ami, c'est Facebook. Venez s'asseoir. Leur seul ami, c'est Facebook. Venez s'asseoir. Donc si je fais souvent fi, c'est parce que je me dis que je ne vais pas aller à cette perdition de Facebook. Il y a beaucoup d'âmes qui sont là. Les âmes malsaines qui veulent attirer les autres. Moi, je ne fais pas partie de cela. On ne m'attire pas. Quand tu crois que tu m'as déjà dans ton panier, boum, c'est là où moi, je te montre que je sors. J'ai les griffes. Je me défends. Donc, je viens avertir. Je viens avertir. Laissez-moi avec mon côté hypocrite. Vous ne savez pas que l'hypocrisie, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. C'est une qualité. Quand tu veux préserver ta famille, ta petite vie, pour qu'on ne te sorte pas ça, oh, ah, sois hypocrite. C'est le conseil que je vous donne. Soyez hypocrite. Oui. Pour préserver ta famille. Tout le monde n'est pas là pour venir se jeter comme ça, oh, ah, et venir sortir les vies des gens. Parce que pour vous, ça vous arrange. Venez vous asseoir. Parler des vies des gens. Vous êtes un livre ouvert. C'est-à-dire que rien ne vous retient. Rien à foutre. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai encore les gens qui m'aiment. J'ai encore les gens qui prennent le temps. Ils m'appellent au téléphone. J'écoute le conseil. C'est très important. Parce que de nos jours, les conseils sont devenus très rares. Et très chers. Les conseils sont devenus très rares et très chers. Pour que quelqu'un prenne son téléphone, t'appeler et te dire que non, ma chérie, s'il te plaît. Non seulement c'est devenu rare et c'est devenu cher. Si ce n'est pas quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te considère, et il faut qu'il y ait ce retour-là. Parce qu'on a beau le dire, mais ça ne se fait pas. Mais moi, je ne marche pas là-dedans. J'ai des vrais gens qui me suivent, des gens responsables, des mamans, des papas. Donc là où vous voulez que j'entre là, je vais entrer, je vais venir vous dire. Et là, vous allez comprendre. Mais sachez qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Voyez-moi comme vous me voyez sur la toile là. Faites ce que vous voulez. Mais attention. Moi, je dis toujours, je viens maintenant pour vous dire que attention. Quand il va encore sortir, la toile va prendre feu et je serai assise pour répondre. Je serai assise pour répondre. Parce que quand tu restes tranquille, on vient te piétiner dessus. Elle dit, ah, car elle est comme ça. Ah, car elle est comme ça. Ce n'est pas le fait de venir répondre que ça veut dire que ça te donne le droit que, oh non, on ne peut pas marcher sur moi. Il y a le ridicule. Mais moi, je préserve ma petite famille qui travaille tous les jours. Le Satan que vous voulez que ça rentre dans moi, là, je vous le renvoie. Je vous le renvoie. Ça ne va pas. C'est-à-dire que je vais venir m'asseoir. Je vais faire point par point. Point par point. Point par point. Attention. Attention. Je reviens vous dire ça. Parce que ça va faire mal. Hein. Moi, je ne parle pas souvent beaucoup. C'est pour ça qu'on m'appelle hypocrite. On a déjà vu le caleçon de tout le monde ici, là. C'est-à-dire qu'aucune retenue. On a même déjà peur. Les amitiés ne se font même plus à Facebook. Parce qu'on voit déjà vos cœurs.
On voit déjà les cœurs des gens. Et vous voulez que tout le monde soit pareil. Moi, j'ai encore le discernement. J'ai encore le discernement. J'ai encore cette crainte de Dieu-là. Moi, j'ai encore ça. J'ai encore ces principes. J'ai encore ces valeurs. Et je vais les préserver pour ma petite famille. Mais je dis seulement, attention. Comme je suis pacifique, c'est comme ça que je peux être le contraire. Comme je suis pacifique, je vous dis, je peux être le contraire. Et quand je suis le contraire, vous-même, vous voyez souvent comment ça se passe sur la toile. Donc, il faut me laisser dans mon coin. Laissez-moi dans mes boyaux. Moi, je fais les boyaux. Je fais la nourriture. Laissez-moi dans ma nourriture. Ceux qui m'aiment vont rester sur la nourriture que je fais. Mais si vous voulez m'entraîner dans ce petit bordel-là, le petit bordel que vous engagez là sur Facebook-là, moi, j'essaie souvent d'éviter. J'essaie souvent d'éviter. Mais n'oubliez pas que vous avez affaire à quelqu'un que vous avez seulement vu sur la toile. Hein. On se connaît. Hein. Si vous vous sortez les vies des gens, moi, je ne suis pas celle-là qui sort les vies des gens. J'ai encore ce côté-là. J'ai encore cette retenue-là. Je ne me permets pas comme ça, là. Je ne me permets pas comme ça. Donc, j'ai ma petite famille que je préserve. Je tiens ça comme ça, là. Parlez comme vous voulez. C'était avant. C'était avant. Parlez de ma fille comme c'est elle qui est devenue votre batte de baseball. Que vous tenez comme ça, vous tapez, bim. Parce que vous jugez quelqu'un par rapport à son physique. Mais je suis fier de ma fille demain, après demain, jusqu'à... Puisqu'elle est sortie de mes entrailles. Angoku Mazurzam. D'accord? Je m'occupe d'elle. Elle est là. Comme vous vous servez souvent de ça. Vous prenez Nicolas, vous mettez comme vous voulez. Vous prenez mon mari, vous mettez comme vous voulez. Pour l'instant, c'est mon mari. Attendez quand je vais divorcer, vous allez venir récupérer. Mais pour l'instant là, c'est mon mari. Et comme il n'y aura jamais de divorce, vous commencez déjà la sorcellerie. Je vois déjà ça venir. Attention. Attention. Et ma bouche là. Quelqu'un qui ne parle pas, vous savez comment la personne là est quand elle parle, non? Quand l'eau est calme, attention à ce genre de personnes. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Quelqu'un qui ne parle pas. Quand je suis vrai avec quelqu'un, laissez-moi comme je suis. Mais quelqu'un qui ne parle pas, qui ne vient pas ouvrir sa bouche comme ça, à chaque temps, ouvrir sa bouche comme ça, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qui se passe. Je vois tout, j'entends tout. Mais quelqu'un qui est calme, qui ne dit rien, quelqu'un qui ne dit rien, ça ne veut pas dire que est consent. Je vous dis souvent quoi? Le silence est d'or, non? Le silence est d'or. Mais quand je frappe, faites attention aux gens qui sont toujours calmes, que vous appelez surnois, que vous appelez hypocrite. Parce que ces gens ont des réactions devant vous quand ils ne sont pas contents, vous ne voyez pas. Mais vous êtes toujours facile à venir les piétiner. Vous êtes toujours facile à venir les piétiner. Ah, elle ne parle pas. Ah, elle est comme ça. Le jour que la personne se retourne contre toi, tu vas la traiter de méchante. Attention. Je viens maintenant, j'avertis. Laissez-moi dans mes boyaux. Parce que c'est ça qu'elle veut faire maintenant. Demain, on est samedi. Je vends mes boyaux. C'est ça que j'ai choisi avec ma petite famille. Je l'ai nourrie. Fier de l'être. Je suis auto-entrepreneur. Je paye mes impôts avec ces boyaux-là. Avant, on était sur les histoires de monétisation. Zuckerberg, il fait de la monétisation comme il veut, quand il veut. Comme il veut, quand il veut. Il fait de ça comme il veut. Si tu pars rester là, attendre la monétisation de Facebook, ne fais rien. Viens attiser la haine. Viens attiser la haine. Comme ça, tu auras les vues. Comme ça, tu auras la monétisation de Facebook. Et ce sera bien pour toi.
Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai mes principes que je respecte. J'ai mes valeurs qui sont là. Je ne blague pas avec. Je connais la relation humaine. Je connais le respect de l'autre. Je connais ça. Je ne viens pas là pour vous faire une école de respect ou pas respect. Respectez-moi comme je vous respecte. Respectez-moi comme je vous respecte. J'avertis. Quand je vais sortir, ça va faire mal. Parce que je sais déjà que ça va faire mal. Mais je viens cette fois-ci avertir. Vous savez que ma bouche sang, non? Le débriefing, je ne peux pas faire. Parler les vies privées des gens, je ne peux pas. Donner mon point de vue, je ne peux pas. Quand je viens pour parler normalement, on déforme toujours. Le tout, si je veux vous donner l'occasion, attention, laissez-moi tranquille. Donne-moi, hein. Bon, bonjour mes gens, je vais boire le café. À bon entendeur, salut, j'ai fini de parler. Je vais boire mon café là maintenant. Et je dois travailler là maintenant. Là, je dois travailler. Mais je vais d'abord couper la vidéo parce que... T'arrives, je dois laver les voyous. Voilà, je vous ai dit que j'avais le travail à faire ce matin. J'ai le travail à faire. Et les gens qui viennent pour le congrès. Ah ouais, coucou ma chérie. Ouais, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année ma chérie. Vous qui venez pour le congrès, ça l'a dégagé de ma page vite fait. Fichez le camp de ma page. Je reste avec mes misungettes, ceux qui ont toujours été là pour moi. Parce que vous aimez le scandale. Donc fichez-moi la paix. Partez vite. Les gens qui n'ont rien à faire sur ma page. Même ceux qui sont à la fenêtre, là, vous guettez. Allez-y. Là, je vais parler maintenant de ce que je sais faire. Voilà. Allez vous faire foutre. Je vous emmerde. Tous ces gens-là qui venaient quand il y a le scandale. Partagez, vous ne partagez pas. Vous emmerde. Les bordels d'étoiles comme ça, là. De la toile. Vous partez de page en page. Pour aller chercher le socoto. J'attends que vous partez. Les cogneurs de tête là. Je vais boire mon lait. Mais genre, j'ai un seau de boyau à nettoyer. Vous voyez, non? J'ai un seau de boyau à nettoyer là. Et les boyaux restent un petit secret pour moi que je ne dois pas vous montrer parce qu'on ne montre pas tout, non? C'est important. Donc, je vais partir et après je vais revenir quand Marie Magny. C'est-à-dire qu'il y a les misungettes là sur la toile. On part où? Parce que je m'adresse à toi, mon bébé. Ah ouais, déjà que tu ne viens pas souvent. Quand elle te voit comme ça, elle doit seulement crier. Wow, 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 wow. Ah ouais, ma fille est là. Oh. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ouais, ma fille. Ah ouais. Oh. Amaïne. Maïne, ne me n'y boit. Maza, n'y me boit bientôt. Monsieur Bocat. Maza, n'y me boit bientôt. Amaïne. Hein? Maza, n'y me boit bientôt. Parce que des fois, je sors, je ne dis pas. Bah, ouais, bim, bah, que bah, vous ne me vidéo.
Là, je vais avertir, je vais venir m'asseoir. Oui, je veux aller en même temps, non, Vanessa et Vuna. C'est-à-dire que je fais souvent, Doudou, on reste hypocrite avec toi. Quelqu'un qui a l'habitude de rire, on prend ça pour un défaut. Attention, quelqu'un qui rit beaucoup, hein. La personne qui rit beaucoup, faites attention à quelqu'un qui rit beaucoup, qui a tout le temps les dents. C'est l'hypocrisie. Oui, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. La personne qui a toujours les dents. On ne voit que le défaut de la personne. Parce que tout le monde sur la toile, vous voulez caricaturer tout le monde. Je fais l'exception. Et je vais faire cette exception-là. On n'est pas pareil. On n'est pas du tout pareil. Je fais l'exception. Parce que le porc ne dit jamais que je suis gras. Mais le tour, si quand il fait le tour sur la toile, je fais l'exception. Allez créer, allez inventer, je suis là. Le aide-moi à détester, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Ne me mettez pas dans le aide-moi à détester. Ne me mettez pas là-dedans. Laissez-moi hypocrite. Hypocrisie là, ça vous sauve vous-même. Ça vous sauve vous-même. Quelqu'un qui a la bouche ouverte comme ça, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Donc ma bouche n'est pas comme ça. Si j'ai le gros ventre, c'est parce qu'il y a plein de choses là-dedans que si je sors et je suis déjà celle qu'on appelle Nyeminga, c'est-à-dire qu'une femme digne de son âge, de ses faits et gestes, mariée, je respecte mon mari, je respecte mes enfants, je respecte ma famille, je respecte ceux qui me suivent. Parce que je suis dans le blog. Je respecte tous ces gens-là. Et ceux qui prennent la peine de m'appeler. C'est pour ça que je reste tranquille. J'ai encore ce côté-là où j'ai le respect pour l'autre. Mais vous qui avez la bouche ouverte, si on regarde derrière, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. J'aime mon mari. Et c'est pour ça que je le respecte. J'aime mes enfants. C'est pour ça que je les respecte. Je n'ai pas bâti mon couple, ma petite vie, ma petite famille pour Facebook. Ce n'est pas pour Facebook que j'ai fait. Jamais. Je suis dans mon hypocrisie. Laissez-moi là-dedans. Ouvrir la porte à quelqu'un ne veut pas dire que tu connais ma vie. Dieu merci. Dieu merci. Ce Dieu-là, quand vous avez confiance en lui, hein, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles. Il vient, vous parle. Il vient et vous montre les choses tous les jours. C'est nous qui ne voulons pas voir. Mais moi, je suis dans la voie de Dieu. Je ne force rien dans ma vie. Oui. Insultez comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Je ne serai pas comme vous. Parce que vous n'êtes pas comme moi. Mais quitte à la mine. Mais abori l'anya yim yan madjom. Ça dit ne ilan. Vous voyez quand le cul gratte. Parce que moi j'appelle chacha chienché. Quand le cul gratte, vous savez comment ça fait souvent là que tu t'es mal nettoyé le cul. Et que maintenant ça cocotte là-dedans. Parce qu'il y a la chaleur. Il y a le reste de caca qui est resté collé sur la paroi du cul, à l'entrée du bout du cul, du trou du cul. Là, 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 là. N'est-ce pas? Et il y a le caca qui est resté collé là. Et tu as nettoyé comme ça, tu n'as pas lavé. Et maintenant, la chaleur vient se rajouter. Ça commence à cocoter là-dedans. La sensation qu'on ressent là, parce que tu es là comme ça là. Hmm? On te voit, tu bouges là, tu fais genre, tu danses, alors que c'est ton cul qui est mal lavé. Comme tu ne peux pas te retenir, tu vas trouver une solution. C'est comme ça que je vais faire. Parce que je vais sortir comme quelqu'un qui a le cul mal lavé. Et je vais venir m'asseoir. Ça ne dépasse personne. Je vais mettre mes principes là de côté. Je vais mettre mes valeurs de côté. Mais je vous fais comprendre que nous tous, on n'est pas pareils. Attention, on n'est pas tous pareils.
Heureusement que la toile d'aujourd'hui a permis de voir qui est qui. Moi-même si, de voir qui est qui. Comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Toi qui es calme, qui a le même tempérament que moi, accepte que tu es hypocrite. Ça va te permettre de bien voir les gens comment ils sont. Surtout sur cette toile-ci. Et c'est vrai ce qu'on dit. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. On ne s'assoit pas avec n'importe qui. C'est quand tu as un cœur sociable. C'est ça qui fait en sorte que les gens à qui tu as ouvert ta porte, les gens avec qui tu t'es assis pour manger, se permettent de te manquer de respect. Les riches ont raison de s'asseoir entre eux. Les riches ont raison. Ces aristocrates, ils ont raison d'être entre eux. Ils font les choses entre eux. Parce que quand ils ramènent un intrus, il va venir tout foutre en l'air. C'est ça que je vois ici là, sur la toile. Je vous reviens. Je lave mes boyaux, ma base. Je lave mes boyaux. Attendez. Vous montrer mes boyaux que moi j'ai choisi parce que je n'attends pas après le cas. Mais pas, je suis pas là pour attiser la haine. Chacun sa vie, chacun sa merde. Voilà. Je vais faire ce que je sais faire. Au bout de ça. Mes boyaux ici. Voilà ça. Voilà mes boyaux que je vais laver. Vous avez vu la couleur, non? On appelle ça avant. Voilà la couleur de mes boyaux. Avant. D'accord? Vous allez voir comment ça va être blanc. Après. Voici mes tripes ici, là. Ça, c'est le avant. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà mes tripes. Et avant, je faisais souvent comme ça. J'ai 3-4 cartons qui sont là, qui m'attendent. Maintenant, ça vient un peu. La vie devient dure, je comprends. Mais on fait aussi avec, on appelle ça la persévérance. Moi, je suis dans l'endurance. Oui, je suis venu sur les réseaux sociaux pour ça. Je suis dans l'endurance. Ça veut dire que même dans les moments difficiles, il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'il y a des petites personnes qui vont être là pour venir te distraire. Moi, je ne suis pas là-dedans. Même dans les moments difficiles, je suis là-dedans. Même si c'est un seul carton, je dis, ce n'est pas grave. Il arrivera où je vais faire 6, 7, 8, 10 cartons. Oui. Parce que Dieu te fait savoir qu'il y a des moments difficiles. Et est-ce que tu as la foi pour supporter, pour accepter ce qu'il t'a donné comme travail? J'aime mon travail. Et je le fais avec la foi, avec l'amour. C'est ma passion.
J'aime ce que je fais. Les boyaux que vous m'insultez avec tous les jours là, je suis dedans. Je suis dedans. J'ai toujours été dedans et je serai toujours dedans parce que je nourris les gens. La bouche qui a faim, c'est ça que je nourris. Pas la sale bouche qui est là pour parler des vies des gens. Pour le aide-moi à détester. Moi, je suis pas dans le aide-moi à détester. Je suis venu vous avertir qu'il va sortir. Il va sortir. Et ça va faire très mal. Cette fois-ci, je viens vous prévenir. Vous n'allez plus aller fouiller ce que vous allez vivre en direct. Comme vous avez l'habitude d'aller fouiller là. Et je ne marche pas selon vous. C'est vous qui allez marcher comme moi je veux. Selon mon temps. Et vous serez connectés. Vous allez écouter. Je vous laisse. Lave mes boyaux, je reviens. Pour mes vrais, mes soubettes. On va attacher ensemble. Beaucoup de ça. Coucou ma aide-corps. Bisous mes gens. À plus tard.